Monsieur Colombo, c'est le ballon qui a été joué, le bon appel en profondeur pour Frédéric Necker, face à Ulrich Ramé, et c'est le but. Ballon dévié, me semble-t-il, par David Sommeil dans son but. Et là voilà l'ouverture du score, on le disait, 2 minutes d'arrêt de jeu, peut-être le moment pour marquer ce but libérateur. Et bien le voilà, Bastia mène 1-0. Oui, on a vu Frédéric Ney qui a ramené le ballon sans vraiment voir le but. Voilà, là il est le dos au but. Et il a bien dosé. Si le ballon n'était pas touché, il rentrait quand même, je pense. Il était en direction. Alors que l'on revoit ce grand point impeccable sur Ramé. Et le retour désespéré de David Sommeil qui fait rentrer ce ballon. Et Sébastien qui... la frappe est partie. Et l'intervention d'Ulrich Ramé qui repousse ce ballon. Et Frédéric Ney est là pour le doubler. C'est le chaos. Bastia mène 2-0. Et la frappe d'André est très très puissante. Elle oblige Ramé à relâcher ce ballon. Et Ney est très intelligemment bien suivi. Et dans un angle difficile, à ramener le voilà. Un angle difficile, il arrive à ramener le ballon. Sans trop regarder. Et voilà Bastia qui s'en va vers un deuxième succès consécutif. Sans doute maintenant.